Bienvenue dans Opaléco, spécial entreprenant Côte d'Opale, le rendez-vous interactif et pratique des créateurs et futurs créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, comment être bien entouré lorsque l'on est entrepreneur? Réponse avec Pascal, gérant d'ISES ARL à Calais. Alors dites-nous, quelle est votre activité? Alors, ISE a une activité d'électricité. Donc on intervient sur trois domaines, l'électricité industrielle, l'efficacité énergétique dans les bâtiments et la sécurité incendie. Et que faisiez-vous avant cette activité? Avant la reprise d'ISE, j'étais directeur d'une agence d'une trentaine de personnes qui avait deux implantations, Calais et Arras. Qu'est-ce qui vous a décidé de changer de métier et de devenir entrepreneur? Le fait d'avoir plus de liberté et d'être dans une structure plus souple. Comment avez-vous affiné votre projet? Alors, le projet, je l'ai affiné en plusieurs années, notamment par mon engagement au sein du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Alors si j'ai bien compris, être bien entouré est essentiel. Comment intègre-t-on ces réseaux et qu'est-ce qui s'y passe? C'est un chef d'entreprise qui m'a présenté le mouvement, qui m'a fait rentrer. Et qu'est-ce qui s'y passe? Alors on travaille sur des problématiques communes, parce qu'on se rend compte que finalement, une entreprise et deux salariés ou elle en est 50, la problématique du chef d'entreprise est la même. Dans tout ça, il vous reste un peu de temps pour vous? J'essaie de consacrer du temps à ma famille, du temps pour pratiquer un peu de sport, parce que c'est un besoin pour mon équilibre. Et je trouve aussi un peu de temps pour justement travailler dans ces réseaux. Merci Pascal pour toutes ces informations. Alors si vous aussi vous envisagez de créer votre entreprise ou si vous êtes déjà entrepreneur et que vous souhaitez intégrer ces réseaux dynamiques tout comme Pascal, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du réseau Entreprenant Côte d'Opale ou auprès des conseillers de la CCI Côte d'Opale. Ils vous orienteront vers ces réseaux. Alors pour retrouver toutes ces informations et revoir Opaléco, c'est sur entreprendrecôtedopale.fr. Allez, ciao.